De toute façon, la première partie de Persona, c'est 100 heures. Et 100 heures sans pousser, hein. Parce que moi, la partie que j'ai refait sur Royal, si je me rappelle bien, on était à un truc 140 heures pour finir la run. Je peux pas, j'ai Persona. Alors je te le dis tout de suite, ça marche pas. Hein. Moi dernièrement, quand mon patron m'a dit « Michael, vous pouvez pas repousser encore une fois vos vacances ?» et que je lui ai dit « Je peux pas, j'ai PS5 ». Il m'a dit « Écoutez, je comprends pas ». Je lui ai dit « Bah écoutez, ça fait depuis août que j'ai pas eu de vacances, donc on va pas discuter en fait ». Sinon là je serais pas là, je peux travailler. Ouais, je suis plutôt sûr, ouais. À mon triste regret, à noter. Comme il se fait avoir comme une... Je vais devenir bon. Il y a beaucoup qui se lancent. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Si tu trouves un bon truc où tu peux faire du pognon. Et le truc c'est que quand tu deviens autant entrepreneur, il faut très vite prendre des leçons de gestion. Je t'embauche si tu veux. Ouais. C'est pas pour être critique, hein, mais j'ai un job qui va... un job. ça peut sembler peu, mais pour moi ça veut dire beaucoup. J'ai pas envie de retourner vivre chez mes parents. J'espère que tu comprendras. J'aime beaucoup mes parents, mais disons que j'ai un mode de vie. Ouais, non, mais non. Je vais faire comme maintenant, tu vois. Je vais geeker. Et aller au boulot. Puis je ferai des photos à la con pour Instagram au mieux. D'ailleurs, j'ai pas fait de photos d'Instagram depuis le début de mes vacances. Moi qui avais dit, je vais essayer de faire plus de Instagram. C'est déjà oublié, je crois. Ah ouais, si tu veux faire du pôle emploi, première entreprise de France, encore plus maintenant avec le confinement, où il y a plein de boutiques qui ont fermé. D'ailleurs, elles ont dû rouvrir aujourd'hui, on y pense. Je t'avoue que moi, je suis sorti ce matin pour jeter mes poubelles et pour aller acheter des pains au chocolat. Ça faisait une semaine que j'avais pas porté de masque, je m'en serais passé, quoi. Par contre, ça faisait une semaine que j'avais pas fait d'exercice et ça, mon corps, il me l'a fait passer, quoi. Et il m'a bien dit, t'inquiète, le retour de bâton, il arrive. Je m'occupe de tout, t'occupes de rien.
15 km de vélo, allez. Ah ouais. Ah ouais, toi, t'es motivé. Bah, à ta place, je commencerai à m'entraîner ce soir, hein, parce que... Enfin, demain. Parce que je pense que tu vas souffrir un petit peu. Et pense à faire ton attestation. Mais du coup, entraîne-toi un peu à faire du vélo, quoi. Parce que si tu vas devoir le faire régulièrement après, voilà. Moi, j'ai fait 5 abdos là tout à l'heure, fier de moi, quoi. Et alors, demain, tu te fais une petite attestation, tu fais une heure de vélo. Lundi, tu te fais une petite attestation, tu te fais encore une heure de vélo. Tu verras, mardi, ça ira vachement mieux. Ah oui, faut que je te fasse un colis. Je vais attendre que de voir comment ça roule les postes et tout, il faudra que je t'envoie un colis avec un petit truc. Un petit truc que j'utilise plus mais qui pourra te servir. Non, non, j'ai... On va dire que j'ai pris le modèle au-dessus. Je me débarrasse d'un truc où j'ai pris le modèle au-dessus. Après, se débarrasser, c'est un grand mot. Hein. Ça marche encore et... Et ça m'aura servi pendant près de 4 ans, 4 ans de live, je crois.
Enfin, c'est la deuxième que j'ai pris, donc elle a dû faire moins, elle a dû faire 2 ans de live. La première et moi, on avait eu un conflit. Elle m'avait dit non et j'avais pas aimé. Non, c'est pas vrai, j'avais eu un problème électrique. Mais, That's new. Engaging. Pod anal. J'avais pas besoin de l'éclater sur le mur, elle s'était éclatée toute seule en fait, j'avais eu un problème électrique, elle marchait plus. Je t'enverrai un lien pour t'indiquer ce que c'est. Le distributeur, en fait, c'est un pseudo-dissimulation du téléchargeur Yora pour transférer les agents sur Terre. C'est un téléporteur. Et il a été déguisé en distributeur pour essayer de tromper les robots. Ça n'a pas marché. Hein. Très clairement, les robots ont vu à travers. Le robot en or m'a quand même mis 4-0 là. Bah, disons que c'est le seul truc électrique qui marche encore dans la civilisation. Donc disons que c'était pas très dur à repérer quand même quoi. Enfin, tu vois, pour cacher un lance-roquette, tu le mets pas au milieu d'une galerie marchande avec tout le monde qui passe devant, tu vois. Huh, that's new. Engaging. Pod, analyze the enemy. Qu'ils sont en or, je peux pas les tuer pour l'instant. C'est pas le level, ceux en or, ils ont un truc spécial, je sais plus c'est quoi.
Ah bah oui, level 25 il me défonce de toute façon, mais... Au level 25 tu peux défendre, tu peux te défendre contre des ennemis en fait en esquivant les coups. The Council of Humanity has a message for all of our brave androids fighting on the surface. It has been several millennia since the aliens and their advanced force, the machine life forms, attacked us. Millennia since mankind was forced to evacuate to the surface of the moon. But thanks to your continued struggle, we have been able to survive. You, our android soldiers, are the last hope of humanity. We look forward to your continued success in combat. Glory to mankind. Ah putain, je trouve pas. Ils mettent pas là. Ouh, je sais plus qu'il existait celui-là. Donc je regarde. Intéressant. Le gâteau, le gâteau. Leave me alone, jackass. I can't deal with your weird hobbies anymore. Like, I care what you think, jerk. Here, follow me. Bien sûr qu'on va te suivre. All right, see that jerk over there? I need you to get combat data for him. Science will pay you back for this, I promise. Now, fight! Requested mission completed.
N'excite-toi pas, hein, c'est du 720p, hein, c'est pas... Enfin si, tu peux t'exciter si tu veux, puis je te l'ai pas encore envoyé. De toute façon, t'auras pas de problème jusqu'à la PS4. À la seconde preuve. Un kiff. Je t'enverrai le splitter aussi. Hein. J'ai changé le mien là il y a 2 jours. Je peux pas passer, j'ai pas assez de force. Dommage. On fera plus tard. La vibration est vraiment excitante en fait. Mais comment dire, pour l'instant c'est trop... Enfin pour moi il n'y a que Demon's Souls pour l'instant, tu vois. Mais oui, la manette est très très classe. La façon en fait, la vibration est gérée et juste incroyable. T'as vraiment l'impression qu'ils peuvent faire vibrer genre un bouton, tu vois. C'est pas un bouton, mais tu vois, il y a un côté de la manette qui vibre de temps en temps. Genre, tu vois, tu fais un virage à droite, t'as la vibration à droite. Ou tu sais, quand tu prends un coup à droite dans Demon's Souls, tu vois. Des trucs comme ça, il le gère vraiment très bien. La sensation de vibration aussi, il y a des niveaux... Toi, ça vibre pas très fort d'un coup, tu vois, ou pas fort du tout le temps. Et les gâchettes qui peuvent être plus ou moins...
plus ou moins dur suivant ce que le jeu veut que tu fasses, tu vois. Ça peut être par exemple dans des jeux de voiture et tout, tu peux avoir des pédales plus dures que d'autres, tu vois, ça peut jouer sur ce genre de truc. Techniquement parlant, ils peuvent en faire quelque chose. Après, pour l'instant, à part le jeu de robot, j'ai pas assez de recul pour dire si les gâchettes vont donner un truc sympa. Mais je peux te dire que les vibrations m'ont déjà fait kiffer. Dans Demon's Souls, ça rend vraiment bien, hein, les vibrations. Tu sais, ça vibre vraiment que... Par exemple, le dieu dragon, par exemple, s'il tape à ta droite, en fait, ça fait vibrer tout le côté droit de ta manette, en fait. Ça semble tout con, hein, mais ça donne une autre façon de vivre le jeu au moment, en fait. Après, est-ce que c'est révolutionnaire? Je dois dire que j'ai toujours pas compris pourquoi Sony s'entêtait à mettre les deux sticks au milieu. Alors que tout le monde le sait maintenant, la meilleure position des sticks, c'est celle de la Xbox et celle que Nintendo a pris, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut accepter. Oui, par contre, c'est la hype, tu vois. Les mecs, ils sont hypés. En plus, il y en a plein qui font les malins parce que c'est les seuls à avoir eu la PS5 et que il y a 2 tonnes de personnes qui attendent. Il y en a même qui sont prêts à payer 1000-1500 € la console, quoi, pour pouvoir faire les malins. Moi, si j'avais pas eu la mienne, bah j'aurais pas eu la mienne, quoi. J'aurais attendu. Hein. Hors de question de payer 1000 € une console. 500 €, c'est déjà bien assez cher. Mais soyons honnêtes, hein, révolution ou pas, pour l'instant, les jeux PS5, il y en a très peu. Et Valhalla, je vais pas l'acheter. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Parce que Assassin's Creed. Et il y a Morales, Spider-Man. J'ai pas encore fait le premier, donc. Je vais faire le premier et je me dirai si j'achète le 2 ou pas. Mais bon, ça fait toujours 3 ou 4 jeux de plus que la Xbox, quoi. La Xbox qui, pour l'instant, a comme gros point positif son Game Pass. Et sa console totalement hallucinante en termes de capacité, mais elle a pas de jeu avec, quoi. Pascal, is that you? 9S. Yes, it is me. Many apologies for the sudden transmission. I heard that you were searching for the missing child, yes? Well, if you would, please consider this a personal request from myself as well. Go find the child as quickly as you can. She's such a good little girl, and so fond of her sister. She's probably somewhere around the desert at the moment. That's where she's likely to find the dented plate her sister needs. Got it. Thank you so much. And please be careful, all right? Alors moi, pour les streams, je t'avoue que je préfère jouer sur console. En fait, c'est la console qui gère le jeu. Et mon PC ne gère que le stream, en fait. Et quand je vois les problèmes que j'ai eu sur les derniers Assassin's Creed, parce qu'ils ont été codés avec le cul et qu'ils ont les systèmes d'identification, la con là, qui te bouffe une grosse partie de tes ressources. Je me dis que je vais continuer à jouer sur console au maximum. Je sais que Cyberpunk par exemple, je l'ai précommandé sur PS4. Vu que c'est pas la PS5 qui le prend pour l'instant. Mais ils ont déjà annoncé la mise à jour gratuite en version PS5. Sauf qu'ils savent pas quand elle sera datée, quoi. Ah mais le désert bien géré, voilà quoi. Tu vois, des étendues avec des dunes. Tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ça a son charme. Moi je t'avoue que c'est surtout les villes en ruine avec de la végétation, tu vois. Dans The Last of Us, des choses comme ça, j'adore. Tu vois, les mondes post-apo. C'était lequel qui... c'était sur Xbox 360.
avec un singe, je crois, ou un mec qui montait aux arbres, je sais plus, qui montait aux immeubles, comme un singe. Right. Let's get her back to Pascal's village. How'd you get lost out here anyway? I was looking for my sister's part, but then I got scared, and I couldn't move. Oh, come on now, don't cry. Did you at least find what you needed? Yeah. She'll be happy, right? I'm sure she will. But I bet she'll be even happier to see you back home safe and sound. The Last of Us 2 et The Last of Us 1 qui est aussi disponible sur, sur PS4 en version HD. Hey mister, why did they make the desert? No one made the desert. It's just an area that lost all its vegetation due to a lack of precipitation. This caused lasting changes in the soil, which means plants aren't able to... What soil? Soil? It's dirt. Ground. The stuff we're walking on? God of War qui est une très très bonne licence. J'ai pas aimé le climax final, mais ça c'est moi. Les endings faits exprès pour te dire attends le 2, tu verras, ça va être cool. Ça me met toujours un petit peu en tension. C'est le chemin le plus court. Wind is just a force caused by changes in temperature and atmospheric pressure and that's actually a hard question now that I think about it. Kind of deep really. I mean, where does the wind blow from? Pas d'écrit noir sur Code de Foire. What do you think, Tubi? Non, il me semble qu'il y a des images au début. À un moment ça arrête, mais je crois qu'il y a des images au début. Ou un design sympa en tout cas. Faudra que je vérifie quand même parce que ça fait un moment. J'ai tendance à occulter ce genre de choses. Faudra que je regarde mon dernier live à la fin ce que je dis. Si je tape sur le bureau en mode putain, ils me font chier avec leur ending noir. Hey mister, how do you make children? Well, machines can't really make children. Neither can androids, now that I think about it. Yeah, but how do you make them? Tubi? Little help here? Huh? You're the chatty one. Work it out. Oof. Wow, it's getting late. Let's get you home already. Moi, je voulais qu'il explique comment on fait les bébés. Ma maman, elle m'a dit que c'était dans les choux et dans les roses.
Bon, moi j'aime pas le chou, en plus je le digère mal. Et quand je mange du chou, après je pète pendant 3 jours. Pas terrible. Rien de mieux pour me transformer en usine à paix. C'est digestion difficile à ce niveau-là. La soupe à l'oignon. Mais je digère mieux l'oignon. Et Inès, elle te drague. Well, that was exhausting. Yep. Les artichauts, ça c'est un plat de pauvre. C'est le seul plat. Quand tu finis ton repas, il y en a plus que quand il a commencé. Ah, Scoluche. J'avoue que les artichauts, j'en fais pas quand on va au lab. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était chez mes parents. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, c'était la blague de. En fait, quand tu manges de l'artichaut, t'as autant de reste que quand t'as commencé, tu vois. D'ailleurs qu'avec les restes tu peux faire de la soupe ou une connerie. C'est ça. D'où la blague de Coluche. To be, I've been thinking about something. What? Do you think this fellow is being a little too, I don't know, glorified? That's certainly one way to put it.
Enfin. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. On se retrouvera demain pour de nouvelles aventures sur Bacal Live. J'avais pas dit que le dimanche matin je ferais du Dragon Quest. Si, il me semble. Le jeu de l'année. Le truc c'est que je peux pas voter pour Demon's Souls et je peux pas voter pour Persona Royale. Parce que c'est pas vraiment des nouvelles licences, c'est plutôt des remakes et des remasters. Pourtant les deux mériteraient la taille et de la place quoi. Largement. Demon's Souls est une énorme claque graphique. Hein. Vraiment. Et le jeu est toujours aussi génial. Là tout de suite, si je devais voter, ça serait Tsushima. En prenant en compte que le reste c'est pas une sortie de l'année quoi. Pour moi Hades il a rien à faire dans le classement déjà. J'ai vu qu'il y était alors que le truc est jouable depuis déjà 2 ans quoi. FF7, je le classe même pas dedans parce que pour moi c'est une semi-déception, tu vois, il est bien mais c'est un peu trop Kingdom Hearts pour moi. Alors, en même temps, vu qu'ils ont mis le directeur de Kingdom Hearts dessus à la fin pour le finir, il y avait peu de chances que ça ressemble à autre chose. Minecraft, bah non, ça peut pas être le jeu de l'année, non. Même si les nouveaux changements avec le avec les biomes dans le Nether et tout, ça a l'air classe. Animal Crossing, non c'est du caca Animal Crossing. Jamais je mettrai Animal Crossing dans les jeux de l'année, c'est hors de question. Je le mettrai dans les conneries de l'année. Ça marche ou pas? Bah, Ghost of Tsushima est sur PS4. Ouais. C'est une claque. Hein. Ghost of Tsushima, en fait, c'est du même niveau que le Zelda, en fait, pour moi. C'est qu'en fait, ils ont pris l'open world et ils l'ont pas calqué comme tous les autres en mode bourrin. Ils ont pas mis les routes, tu vois, directement avec une trace comme le fait Assassin's Creed, tu vois, où t'as une ligne qui t'indique où faut aller. Le système du vent, même si ça peut paraître totalement débile et tout, c'est super bien géré, je trouve. Et ça offre tout ce qu'il faut pour rester dans l'ambiance du jeu en fait. Les renards sont prodigieusement animés. Les combats sont sympas. Hein. Et en plus là ils ont sorti le multi gratuit, enfin le surplus avec le multi gratuit et tout. C'est assez qualitatif hein, pour un jeu sorti cette année et tout. Ils ont vraiment. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, ils ont vraiment fait le taf. Après, c'est toujours pareil, hein, ça reste mon point de vue.
Ah, le jeu est très très beau. Y a pas que ça, il est à la fois beau et il est. L'histoire est cool. On peut critiquer les animations de visage de du perso. Ça, pas de soucis. Parce qu'il est très fermé. Mais d'un autre côté, c'est une critique que tu peux faire aux Japonais, même actuellement. Ils ont un peu d'expression, on va dire ça comme ça. Je cherche la merde un petit peu, Baka, mais. Ah oui, samouraï. Samouraï robot. C'est mon robot, je l'ai créé. Le père cerveau. Le robot qui aime se faire taper dessus. Robot. Bon allez, moi je vais arrêter là pour ce soir les amis. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Bisous, je te fais des gros bisous. Et à très bientôt sur BKL Live. Ou ailleurs. Qui sait. Niveau 16, le machin me met tellement de dégâts quoi. T'as l'impression de pas être au niveau. Une pote bête. Désolé, j'ai vu des ennemis. Un peu automatique chez moi. Allez, sauvegarde, Baka, c'est fini. Allez. Allez, Baka. On arrête. Baka ? Baka ? Non ? Non ? Tu laisses le monsieur tranquille.
À demain.